مساء الخير كامل اللي يشوفوا فينا في عدد اليوم. مساء الخير لا ريال دو مدريد. اليوم الحديث على لو اس ان ام جي سالير ناسيونال مينيموم غارونتي. افون سا ليسي موا يعني نرحب بكم, اهلا بكم يا عصابه الكواسر والذئاب والضباع التي تريد الانقضاض على اسد ظننتم انه سهل المنال. اهلا بكم يا ايتها العصابه, عصابه الخفافيش التي تريد ان تفتك بالبلاد اكثر من فيروس كورونا. اسكو فوزيت شوكي؟ مو شي با شوكي, سي با مو كي دي سا, سي لو ديرني لا ديرنيير باروسيون دون لو نيميرو دو لا ريفو الجيش البارح. L'article s'appelle Haqiqat Dawla Madaniya Mashi Askariya. Je vous invite tous à aller le lire. Ça parle de, du retour de, du Hirak et ça ne fait pas ses éloges. Mais allez, ça c'est un autre sujet. C'est un peu lié. Pourquoi les gens marchent, pourquoi le retour du Hirak se fait ressentir, pourquoi les gens ne sont pas sortis de la rue. Parce que la vie est devenue difficile, elle était déjà difficile quand le maïcha ghalia. Mais impossible pour certains. Impossible pour certains, ça devient de plus en plus impossible. C'était déjà presque impossible, ça a toujours été comme ça, un petit peu compliqué l'histoire économique du pays. Mais aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus graves. Crise sanitaire oblige. On va parler de tout ça. On va parler des 6 millions,5 des Algériens qui touchent moins de 30 000 dinars, pour lesquels Abdelmadjid Tebboune a enlevé l'IRG, l'impôt sur le revenu global. Il en a fait un peu ça fait, sans faire de lance. Ou le SNMG justement. Ou il en a fait une fierté. Il était fier. Bon, on va résumer un petit peu la situation. Abdelmadjid Tebboune, l'Allemagne, un peu plus de 4 mois. Aoudoula, en janvier, il avait fait son comeback, le disco théâtre, le 18 janvier. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il revienne. Ou il dit, voilà. En fait, il y a 4 mois, il n'y a pas de communication. Vous êtes le président de la République, c'est normal que les gens ne soient pas. La présidence, il n'y a pas de les journalistes ne soient pas en train. Voilà, c'est normal quand il s'agit d'un président, et tout, la nature a horreur du vide, ou qui est Abdelmadjid Tebboune, au lieu de rassurer, il y a des gens qui ont fait des ayats. Moi, ça m'avait marqué. Comment peut-on disparaître 4 mois alors qu'on est président de la République, ou qui est Abdelmadjid Tebboune? Enfin, bien sûr, c'est normal, vous êtes président de la République. Bref, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est que Abdelmadjid Tebboune Aoudoula, il a justement le SNMJ, où il y a un peu de temps, il dit qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps d'Algériens qui se portent mieux parce qu'il touche 30 000 dinars. Il y a un peu de temps, comme je disais hier, il y a un peu de moins de 30 000 dinars. C'était le discours du 18 janvier. Donc, la décision a été prise à l'issue d'un conseil des ministres. Bien sûr. On va dire qu'il y a eu Abdelmadjid Tebboune, qui a été mort de l'Allemagne. Exactement, Amira. Voilà, le hadith va tourner autour de ça. Le SNMG, mais chez le SMIC, c'est à fond dans ça. Nous, c'est le SNMG, c'est le SNMG. Mais le SMIC, c'est les Algériens. Le SNMG, mais il ne fait pas, mais le SMIC, c'est le langage courant. Exactement. Je voulais commencer, en fait, il y a plein d'aberrations, c'est un sujet, c'est quelque chose qui fait peur, en fait, qui nous laisse sans voix. Je voulais commencer par les étudiants en médecine, qui sont étudiants en médecine, qui sont résidents, ou dire ce qu'on appelle les gardes, une garde. Je vais vous dire une garde, Amira. Ils me disent 80,000, dire une garde. Je résume, qui dit un stage, tu es un résident, tu fais un stage, bon, la garde, toi, tu es manin à l'œuf, ce qui est incroyable, yani. Je ne sais pas si vous savez un petit peu de quoi il revient, yani, une nuit de garde en Algérie, en hôpital algérien, c'est une aventure. C'est pénible. C'est pénible, c'est une aventure, tu fais faïs, yani, c'est d'autant plus difficile de le faire. Et en parlant de garde, en 2021, la visite médicale est remboursée pour le secteur public à 150 dinars, c'est-à-dire 150 dinars, on sait tous que minimum 2500 dinars, une visite médicale coûte, une consultation plutôt, coûte 2500 dinars, ou les chiffres, ou le seuil de remboursement n'a pas été changé, mis à jour. Mis à jour, ça dure depuis, je crois, les années
années 80. Et c'est, on en avait fait un numéro spécial, hein, oui. On en avait parlé. Voilà, ça c'est une aberration. Il y en aura des aberrations aujourd'hui. Donc, internat, un étudiant de 7e année, à la fin de chaque stage qui dure 3 mois, il lui verse 6000 dinars, yani pour 10 gardes. C'était 100,000 pour 10 gardes. Donc, 4 stages, fait un complet, ça donne 24000 dinars. T'imagines ? Un résident, un médecin résident, Fiam, il va toucher ce jumelé énorme. Enfin bref, pour comment faire pour manger à sa faim en Algérie, on a sur le 021-78-24-45, les pâtes, les produits de première nécessité, les aides ou les bizaf. كلش زاد هم لبات الخضرات يعني الفروي oui oui et en face de ça bien sûr on va parler on va pas les ménager on va parler des élus de la chambre des élus que ce soit de la chambre basse ou de la chambre haute les élus de la chambre basse par exemple qui touchent 18 fois le SNMG à peu près 30 millions ceux de la chambre haute yani les sénateurs ils touchent un peu plus de ça on va parler des déclarations qui ont été faites par le sénateur Ben Zaim, on en arrive. Le budget de la santé, combien ça coûte à titre d'exemple, tu fais juste un Doppler simple et vraiment vite fait. لازم تحط 5000 دينار لو لوايي لو ترونسبور عندك الحوايج واحد يكون مزوج يعني ويخلص 3 ملايين ومزوج وعنده دراري ما يقدرش يشري حوايج لروحو لا ما سيليباتير 3 ملايين سورتو اللي يستعملوا لي ترونسبور ان كومان اللي لازم يفطروا كل يوم فما بالك واحد مزوج وعنده فاميليا اون بليس لا كريس سانيتير دوكا شكون راهي لونتربريز اللي تخلص لي زومبلوي تاعها في الوقت تمد لهم يعني دراهم شاك موا كاينين ما فات با دو سين خلوني طرانكي اون با ما نخوضوش في نو 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 ليسي ما ترونكي والله ني فوايي با دو ميساج كاشي اون با Franchement, nous, on se porte balèque mieux que... Il y a un appel téléphonique. On devrait prendre l'appel. On va prendre l'appel. Il y a plein de choses à dire. Yani, on va parler du CNT, hein, le Conseil National des Transitions. Il existe à 94. Où il y a des députés. Les mazalam ykhol sol hadd l'an. C'était 20 millions depuis l'année 94. On va citer quelques-uns. نستقبل المكالمة هاتفية من معنا خفافيش أم شرذمة معنا خدين بطاش رئيس تحرير راديو أم خدين بطاش طول ريسبي ا نوتر امي خدين سالو خدين سالو السلام عليكم وعليكم السلام ايمرجون جو تيان بريسيز وي وي بيان سور ماغريف ايمرجون دائما تعاودها لنا اوكي خدين ما راكش حاب تكون رئيس تحرير راديو ام يا با دو بروبليم ما نسيفوش عليك ماغريف ايمرجون سي ديجا تري تري بيان خدين بطاش ميرسي بوكو داتر افيك نو وعطيتنا شويه من وقتك تون تون بريسيو ميرسي الوغ كوا دير بار كوا كومونسي ماذا بيا انا نطرح عليك سؤال على لارتيكل اللي كتبتو ريسامون باغو سور ماغريف ايمرجون اللي قلت انه عاود تو ريبري ليتود دو الوغ جاريف ليتود menée par le syndicat national autonome des personnels de l'administration publique qui, selon cette étude, un ménage algérien composé de 5 personnes a besoin de 81 751,14 dinars par mois ça. Pour subvenir à ses besoins contre 73 027 dinars par mois en 2017, soit une évolution de 12%. Voilà, exactement. Donc oui, comme le démontre l'étude les deux syndicats, donc il y a une évolution, ce qu'on appelle dans le jargon économique le panier de la ménagère, une évolution de 12%. Le panier de la ménagère concerne une famille composée de 5 personnes, donc de parents et de trois enfants. الحق وين دي باسا يعني فات قيمه 81000 دينار مع ارتفاع 12% في ظرف سنتين مي هذا الارتفاع سي لي سويفي بار اون بارت دو لا فالور دو دينار يعني كي ديفالوي نون ستوب Là, ce qui m'intéresse, Kherdin Batache, c'est pas le comparatif entre 2017 et maintenant, 2021. C'est pas cette petite augmentation ou l'évolution du réel besoin. Ce qui m'intéresse, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que les familles algériennes, la plupart des ménages algériens composés de 5 personnes, touchent 81 000 dinars?
Alors, c'est pas ce qu'on dit, hein, c'est pas ce que dit l'étude. L'étude oui. dit que une famille a besoin de 4. Oui, 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 mais je voudrais, je me pose la question, je vous pose à vous deux la question. Est-ce que les familles algériennes touchent 81 000 dinars? Il y a 6,5 millions d'Algériens qui touchent 30 000 dinars. Aux environs de 30 000 dinars. J'imagine que nous avons des familles, des ménages, plutôt on parle en termes de ménages, hein, oui. Qui touchent beaucoup plus que 80 000 dinars et d'autres qui touchent beaucoup moins. Donc il y a une disparité. La disparité, voilà. La disparité entre les salaires en Jazair, rama anno kayen une grille salariale normalement tatbaq an jami'. Ma nansawch belli anno la hukouma w rais tbon kan qarar raf al had al adna lil medkhol bil rawatib yani bqimat 2000 dinar lil haqq la 20000 dinar, lakin hatta yani bhad al mustawa nbqaw ba'id an عن حقيقة الأمر, خاصة كما قلت زميلي حمزة مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن لسببين, الأول هو الانفلاسيون بيان سور تضخم الأسعار, الثاني هو انخفاض قيمة العملة dinar l'azéri. Oui, qui est parfois voulu pour récupérer un peu de monnaie, un peu de change. C'est un mécanisme économique tout à fait normal. Oui. L'équipe en cause madakhil doula, on dévalue la valeur du dinar pour faciliter l'exportation. Donc dans le cas de l'Algérie, c'est les hydrocarbures. Oui. Voilà. Et récupérer un peu d'argent par effet de change. Ça s'appelle un effet de change. Un peu d'argent par effet de change. Oui. Voilà. Hada le mécanisme lié au tabac. Oui. En même temps, qui est parfois quand même là, ça provoque systématiquement ce qu'on appelle de l'inflation, tabac. Oui. Yani, où est le prix de la omla, ou le prix de l'argent, le fardé, tout le litre d'argent, tu t'as réveillé à quel. من ما كنت ستشتري به أقبل. ونذكر أن التضخم هو أحد أهم العوامل لتحديد لو سالير مينيموم, الحد الأدنى للمعاش. Oui. حبيت برك نعاود نولي لك لأن بوان تخي امبورتون لي جو سيت تون أرتيكل خيردين, قلت بلي فان ليتود هاي تقول أنو لابروفيزيونمون دونغي أليمونتيغ إي لي فخي دو لوجمون إي لي شارج لوكاسيون أو أوتر ساكابار لا بار دو ليون دو بودجي منسويل إيستيمي ريسبكتيفمون أفيك 31100 dinars par mois et 22 630 dinars en moyenne, c'est en 2010, en moyenne, mais en 2017. Est-ce que c'est normal que, c'est-à-dire la nourriture, Non. Alors, t'as frère, il y a ça, ma canchère qui est là, qui est le premier poste de défense, il prend le loyer ou tout ce qui est facture. Voilà. Les charges. Tout ce qui est charge. Ou la facture, t'as l'alimentation, t'as rien, et un état actif, le mort de panique, selon l'étude qui se base sur des estimations, je le précise encore une fois. Robama Honakena, il a tfouk. المستوى يعني اللي عطاته لنا ليتود اللي هو 31100 دينار. المشكل ما نظنش هو في القيمه هذه, ولكن نرجع مره اخرى لقيمه الدينار, واش يقدر يعني المواطن يشري مثلا بقيمه 1000 دينار يعني. واش هي الحاجات المواد الاستهلاكيه الغذائيه, وليتود البريسيز باللي سي لي دون غاليمونتير اسونسيال يعني المواد الغذائيه ما همش مكتوبين يعني الاساسيه ما مكتوبين. انا ما نظنش انه خمسه عائله من خمسه افراد ياكلوا مليح, ياكلوا اللحم والحوت في شهر كامل ب 31000 دينار. والحوت ما راهوش اون لو سي توس سون با كومبري دون ليتود دونك فوالا. الحوت ما الحوت والعزيز خاصه السردين فريمون الاساسيات يعني الاساسيات باش الخضر البقول 60000 دينار اكزاكتومون. اللي تبقى انا في رايي يعني مرتفعه بالنسبه للاجور, هذا مستوى مرتفع جدا لانه كاين بزاف عائلات قلنا اللي ولا بوكو دو ميناج يعني كيتوش لو سميك
20000 دينار يعني كيفاش يلحق 30000 دينار وكاين ان رياليتي ان اوتر سميغ غير دينار كاين الناس اللي تخلص اقل بكثير من 20000 دينار على بالنا كامل بها سو دوتر فورم دو كونترا ولا دو سالاريا ولا دو كونفونسيون notamment qui touche la catégorie des pré-emplois, mais normalement à l'hasab les promesses du gouvernement devraient tous être régularisés, du mat les contrats d'insertion pardon les DAIP comme on les appelle, oui. C'est des gens qui touchent dans les 15000 dinars, كاين اللي توشيو اقل بكثير يعني حتى وين تقدر توصل 8000 دينار في اللي بعض عمال البلديات مثلا عمال نظافه مال نظافه للمجالس الشعبيه البلديه خدين دون لو ميم طون اون فا ساميوزي ا فير كلكو كومباريزون دون ميم طون سولون جون افريك لو جورنال جون افريك عبد المجيد تبون توشري 70 مليون 700000 دينار بار موا ليكيفالون دو 5000 يورو alors que le SNMG est équivalent à un peu moins de 180 euros. Donc, bon, bref, ok, président de la République, ma'alish, je ne crois pas bizarre, mais bon, 5000 euros par rapport au SMIC gagné de, enfin, SMIC algérien, 180 euros au plus, c'est incroyable, c'est, je trouve que c'est une aberration. Ma'alish, président de la République, il touche, oui, il hab, mais on va pas chipoter, excusez-moi du terme. Je ne pense pas que c'est lui qui s'occupe. C'est pas lui, c'est voilà. Maintenant, je pense que malheureusement, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Mais allez, c'est pas notre problème. Comment on explique, parce que yani, c'est une crise financière et une crise yani, économique qui dure depuis très longtemps en Algérie. On n'arrive pas yani, à sauter sur un tremplin et passer à une vitesse, à trouver une allure de croisière économique. Si on prend l'exemple du Conseil national de transition, les Trelak Farbaoutsien, où il a existé pendant uniquement 3 ans, qui était une institution ad hoc, et je reprends ton expression à toi, Khairdin, c'était une transition pour accompagner les élections de 92. Le Conseil, le CNT Conseil national de transition, fait 192 membres, écoutez bien. لي من هذاك الوقت من 94 هما يلتوش يعني دي سوم فارامينوز زبيدة عسول ماشي ابارلي على اي تي فورسي يعني ادوني سون لو سالير فوالا باسكو افون سا نون ا با بارلي فوالا سي السيناتور بن زعيم كي في اكلاتي لافير 26 مليون زبيدة عسول لو سيناتور بن زعيم ا بارلي دو 27 مليون بور لوي يافي اوسي سفيان الجلالي يافي بن قرينا يعني وعلاش واحد كومون سا سفي ديجا كو سا اكزيست سي با نورمال باسكو ديبي 94 192 ممبر كي توش سي سوم لا بوندون توت سي زاني يعني سي اون بيرت اكستراوردينير وعلاش وين علاش يروح هذا وين يروح هذا الدرام وعلاش يروحوا الوغ كو دون لو ميم طون يا دي بيرسون كي كريف دو فان Je pense que je vais vous répondre franchement et simplement. Vous devriez poser la question à qui de droit les Bien sûr, bien sûr. Il y a nos parlementaires, les parlementaires. C'est rare, mais je pense qu'on a un réel problème de moralisation de la vie politique en Algérie. Oui. C'est un pan entier de la moralisation de la vie politique, c'est-à-dire les salaires que touchent les responsables politiques ou les hauts responsables politiques. منهم لي بارلمونتير لي نذكر بلي هما ممثلين الشعب اللي مثل وي بيان سور يعني و لا ديرنيير فوا كي كون ا ديسيدي اون الجيري اون ريفالوريزاسيون باردون des indemnisations c'est pas des salaires c'est des indemnisations c'est ça voilà des parlementaires le parlementaire nouveau de مجلس الشعب الوطني هما اللي صوتوا عليها et c'est ça en fait oui voilà oui. سؤال على les indemnisations راح نيتوشوا اللي توشوها هما c'était فعهد الرئيس بوتفليقه ولا تتذكروا في 2008 قبل ما يصادقوا على استفتاء الدستور وي باش يحل العهدات فوالا وي وي ويقعد افي فوالا اكزاكت بريزيدون فوالا وي بالنسبه للسي ان تي وي نعم كل الموند ايتي شوكي بار لي ريفيلاسيون دو سيناتور اسلان بن زعيم وي Oui. En effet, c'est des sommes que, vu le contexte actuel, la situation économique et financière de l'Algérie, moi, je ne sais pas, c'est un blasphème. À qui on demande toujours de faire de plus en plus d'efforts. De plus en plus d'efforts.
نذكر برك يعني باش pour ne pas jeter la pierre à quiconque ou là يعني باش باش pour qu'on respecte le principe de présomption d'innocence. Non, même pas. Victoire du contrat de victoire. Ah d'accord, oui. Que بزاف بلدان عندهم مشكل نتاع la modernisation de la vie politique. C'est vrai. À la fin, mais on peut croire en ça. Sarkozy. When, non, mais chez Sarkozy, mais beaucoup de cas, les parlementaires touchent une indemnité d'environ 9 000 euros globalement, hein, oui. 1 000 euros plus environ 5 000 euros d'indemnité. Il y a des députés qui touchent du département européen plus le département français, le Parlement français. De l'ancien candidat présidentiel, candidat républicain, chef de file des Républicains, et l'ancien Premier ministre François Fillon, ou l'affaire les emplois fictifs. Et sa femme aussi, oui. Voilà, avec sa femme Pénélope. Oui. Donc, ce n'est pas un problème algéro-algérien. C'est vrai. Bon, donc voilà, Obama a l'hadja, t'as rassuré un chouïa. C'est vrai. Mais bon, en France, il y a le SMIC, il nous permet de vivre dignement. Comment? Or qu'en Algérie, non. Le mouchkil assassi, Hamza Ibra, مستوى القدرة الشرائية على المواطن الجزائري هو في تدهور مستمر. Voilà. في ظل ارتفاع الأسعار يعني سان دوبل شوك ايكونوميك باس دو بوفوار داشا انفلاسيون اي اوس دو سيغتان بري والمشكل الأساسي في الجزائر هو أن الأسعار كي ترتفع ما تعاودش ترجع للمستوى نتاعها. سي فغي أبدا. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Khaddin, à Texaha. Merci pour tous ces éclaircissements et ton génie financier. À Texaha, Khaddin. مع السلامة. كان معنا خيردين مطاش rédacteur en chef du journal Maghreb Émergent, journal spécialisé en économie, l'excellent journal Maghreb Émergent. Oui, Amir Abou. كريم الجاوي قلنا لي يكون في علمكم تم رفع كل أسعار المواد الغذائية ومنها من 5 دينار إلى 500 دينار جزائري. Pour la petite anecdote, رحت نشري un pot d'huile de coco récemment. وتفاجأت بالسعر يعني سعر 3000 دينار جزائري في بعض المحلات الجزائرية. C'est très très grave. عرفت نشري زيت ورقان هذاك تاع المروك قلت انا نديرو في لاباق تاعي هيا لقيتو 70000 نحيت لاباق اون فا ايكوتي سي فوز افي ماركي وريني تشو وريني الزيت تاعنا وغالي وما فيه حتى منفعه صحيه قلت هيا جو في سي لويل دو كوكو لقيتو 3000 دينار لي كا وريني تشو وريني لويل دو كوكو المخرج يقول لازم تهضروا على زيت تعطيب اي با لويل دو كوكو يطيبوا به وسي اللي علمك هيا نحيت لحيه ماله مليح للصحه هاي مالا نحيت لحية هاي سي جوست بور غير باسكو زيت ورقان بزاف غالي جاني هاي راح حطينا الصوصة ميرسي d'être avec nous sur le plateau de radio. Est-ce qu'on est de retour? C'est bon? Merci d'être avec nous de retour sur le plateau de Radio AM. J'ai un petit retour. Yatakoum Saha, vous pouvez nous appeler sur le 021 78 24 45. Participez sur le live Facebook qui se déroule en ce moment même. On est en train de parler d'argent, de bourse, de moula, de draham. Pas du tout, on parle de SMIC. Flous. Chikif. SMIC, moche draham. Ouais, SMIC, moche draham, c'est très bien dit. Amira, parlez-nous, dites-nous comment vous vivez cette crise sanitaire, cette crise économique. Est-ce que le SNMG, le salaire national minimum garanti, vous suffit? Dites-nous à quel point ça ne nous suffit pas, parce que c'est plus ça la question, parce que voilà, ça ne suffit pas, c'est epsilon, c'est quantité négligeable. Lui, un bien là. Omar Djilali il a dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. On parle de Booba ou je ne sais pas. Moi, j'écoute pas Booba en tout cas. C'est pas parce que je critique pas sa musique, mais j'écoute pas Booba, quoi. Je vais pas commenter ça. Enfin, on écoute ce qu'on veut, quand on veut. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? On a parlé du CNT, on a parlé de la CNT, on a parlé de la CNT, Khaled Nezal qui avait dit « J'aurais préféré garder ma retraite de... » parce qu'on a une retraite de Premier ministre. « J'aurais préféré garder ma retraite de général parce qu'elle est meilleure que celle d'un Premier ministre. » Abdelmadjid Tebboune qui m'a dit « Selon Jeune Afrique, le président algérien toucherait à 5000 euros, l'équivalent de 5000 euros par mois. » S'il vous plaît, je rappelle que le SNMG fait un peu moins de 180 euros. Faites le calcul, c'est très très rapide. Le Premier ministre, toujours d'après Jeune Africain, le Premier ministre toucherait 500 000 dinars par mois. 50 millions, Fichar, Premier ministre, tenez-vous bien. Les ministres normaux, ils touchent 33 millions, Fichar, toujours d'après Jeune Afrique.
Les officiers de l'armée, les officiers et les généraux toucheraient 50 millions le char, toujours selon Jeune Afrique. Aïna, antum min kul hada. معنا مكالمة هاتفية بودربة نوردين نقابي وإطار سابق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أهلا أستاذ بودربة. أهلا أستاذ، مرحبا بكم. أهلا بكم. أهلا، كيف حالكم؟ والله لاباس الحمد لله. وش حالكم أنتم؟ والله غير الحمد لله، نساير العصر ونواكبه يعني كي كما استطعنا. اليوم الحديث على لو سالار مينيموم، يعني لو اس ان ام جي سالار ناسيونال مينيموم غارونتي اللي يساوي يعني ان بو موان دو 180 يورو. واش رايكم يعني، هل واش مش هي النظره تاعكم يعني في ديجا يعني في الواجهه الاقتصاديه؟ اي فو كوريجي و انت ني با كون دو لا ديفالواسيون، اي ني با 180 يورو، اي 120 يورو. D'évaluation comprise, oui, c'est vrai, vous avez raison. 35 dollars, il est à 120 euros. Ce qui est encore pire, Yanni. Vous avez ajouté. Oui. Malheureusement. S'il faisait ça. Pardon? Peut-être Yarit, s'il faisait ce montant. Yarit, oui, Yarit, c'est vrai, c'est vrai. On a, yani, enfin, on peut pas suivre le comment on dit, les taux de conversion qui changent au gré des vents. J'allais dire surtout en ce moment même où la crise financière bat son plein. Hakina, yani, kifash nadara taak, yani, kifash rak tchouf l'omor, yani, rak tqoul Yarit ka ikoun 170 ou 180 euros. واش نقدروا نقولوا يعني، سورتو كي نديروا اون كومباريزون مع واش يتوشي ولي ريسبونسابل تاعنا، سي يعني لو غوفر اي 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 تري بروفون. وي اي تري تري بروفون، باسكو دون تو لي بيي ديفلوبي، سي فو بريني هاد لو بوان بارك، دون تو لي بيي ديفلوبي لو رابور اونتر لو سالير مينيمال كي يتوشي اون اكتيفيتي، سادير جينيرالمون سي لو سميك. وي. دون لي بيي يا لو سالير مينيمال. Et entre le salaire maximum, qui généralement est touché par les grands responsables ou les grands cadres du pays donné, oui. Le rapport dans tous les pays, il varie entre 10 et 12. C'est-à-dire que le salaire max d'un pays, en général, il est égal à 12 fois le salaire minimal. Oui, alors que chez nous, c'est bien plus que ça. أستاذ بودربة، ماذا عن عفوا أنيس، ماذا عن معاش التقاعد اللي ربما ما يدخلش في هذا الإطار، وما كاش معاش يعني حد أدنى لمعاشات التقاعد في الجزائر؟ Enfin, là, vous abordez un autre problème, hein, parce qu'on, est-ce qu'il faut parler du SNMG ou le taqa'ad? Parce que le taqa'ad lui-même, c'est un sujet. Oui. Non, le SNMG. Je pense qu'on est au SNMG. Si on termine le SNMG, on pourra basculer sur le taqa'ad. Oui, oui, oui. Là, on va SNMG. Voilà, voilà. Donc pour le SNMG, moi je pense que tout d'abord, il faudrait d'abord définir quelle est la fonction, c'est-à-dire d'abord définir ce que c'est le SNMG et quelle est sa fonction, oui. Pour que les gens comprennent. Non. Le SNMG dans les pays où il existe, c'est-à-dire dans la majorité des pays du monde, c'est la rémunération, c'est le salaire minimum que l'employeur est tenu obligatoirement à verser à un travailleur. Uh-huh. En général, il est fixé par décret, c'est-à-dire par une loi, en général, et qui fait suite à une consultation, théoriquement je parle, hein, théoriquement. Oui, oui, bien sûr. Suite à des consultations des syndicats des travailleurs et des syndicats des employeurs. Oui. Théoriquement, pas dans notre, parce que dans la pratique, même chez nous, ce n'est pas toujours le cas. Parce que les syndicats, voilà, sont dans la plupart, la majeure partie du temps, récupérés par Solta. Non, non, en un mot, c'est-à-dire sans entrer dans les détails pour juger les syndicats, c'est-à-dire en un mot, parce que les travailleurs et les syndicats n'ont pas une capacité de négociation. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Ils n'ont pas une capacité de négociation pour s'imposer. Et ils dépendent, c'est-à-dire comment qu'on l'arrête, parce que même dans la loi 90-11, ils définissent le CNMG, comment on l'arrête? On l'arrête théoriquement en fonction du niveau général des prix, c'est-à-dire c'est l'indice d'inflation et des prix, etc. Oui. Et on l'arrête en fonction d'un deuxième critère, en fonction de la croissance économique. Ou oui. En fonction de la situation économique du pays en général. Non. Et il a deux fonctions principales. La deuxième, parce que j'en parle, parce que la deuxième, généralement, elle est toujours négligée. D'accord. En tendance à l'oublier. D'abord, c'est pour assurer un certain pouvoir d'achat pour les travailleurs et veiller à ce que le travail interne, théoriquement toujours, soit valorisé à sa juste valeur. D'accord. Parce qu'il y a un effet d'entraînement. Lorsqu'on arrête un salaire minimum, tous les autres salaires suivent parce qu'ils viennent au-dessus de ce salaire-là. Oui. Oui. Et puis, deuxièmement, et c'est ça qui est toujours négligé, il sert d'indexation pour l'allocation de différentes allocations sociales fournies par l'État ou par la sécurité sociale
tels que les remboursements de la sécurité sociale, t'as les congés de maladie, les congés de maternité, les congés d'invalidité, de chômage, de retraite, etc. Très bien. Tout ça, c'est indexé sur le SNMG. D'accord. Dans la pratique, il dépend surtout du rapport de force qu'il y a entre les parties en présence, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire de la capacité des syndicats, de négociation des syndicats. Et il faut savoir, par exemple, pour la petite histoire, c'est intéressant pour les auditeurs, il faut savoir, par exemple, qu'en Europe, en France, avant l'année 70, le SNMG s'appelait le SMIG. Oui. Le minimum interprofessionnel garanti. Oui. Mais à partir de 70, le SMIC s'est transformé en SMIC. Avec un C. Le C a pris la place du G. Le G qui voulait dire salaire garanti a été remplacé par le C qui voulait dire salaire de croissance. Oui. Et c'est comme pour dire que c'est l'intérêt des patrons qui doit primer dans la fixation du salaire minimum et non l'intérêt des travailleurs. D'accord. Ah ouais. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant pour l'Algérie. Pour l'Algérie, le montant du SNMG est de 18 000 dinars. Oui. Depuis 2012. Ça fait 9 ans qu'il est à 18 000 dinars. Mm-hmm. Même si en mai passé, un conseil des ministres a décidé de le porter, selon l'information officielle, à 20 000 dinars. 20 000 dinars, oui. Dans la loi de finances complémentaire qui était en discussion, c'était le but de la réunion. Et il devait entrer en fonction à partir du 1er juin 2020. Oui. Malheureusement, à ce jour, le décret qui devrait le fixer n'est pas apparu et donc le SNMG officiellement, légalement, il est toujours maintenu à 18 000 dinars, même si dans la pratique on peut trouver autre chose. Même si Abdelmadjid Tebboune, il a dit clairement, l'administration ne suit pas forcément. Bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais normalement, c'est une affaire aussi importante que celle-là, il devrait être suivi parce que c'est un conseil des ministres. C'est bien sûr. C'est un exécutif au niveau du pays qui l'a décidé. Oui. Et surtout dans une conjoncture pareille. Oui. Mmh. Oustad Bouderba, selon une étude menée par le syndicat national autonome des personnels de l'administration publique, 70% des salariés du secteur privé... du secteur privé dans lequel la part est réservée au secteur informel reste importante, c'est-à-dire 6 millions de personnes, ce qui représente 50% du niveau global sans dans l'informel. Est-ce qu'on parle des gens qui ne cotisent pas à la caisse ? Bon, moi j'ai vu l'information sur l'étude. D'abord, il faut corriger, il y a une petite erreur dans l'étude ou dans ce qui a été ramené. On parle de 6 millions d'informels. On confond entre les travailleurs de l'auto-emploi qui travaillent pour eux-mêmes, c'est-à-dire les paysans, l'auto-emploi, les fonctions libérales, et les salariés. Il y a 6 millions de salariés dans l'informel. Il y a plus ou moins. Salariés en Algérie, ils ne sont que de 7 600 000. C'est-à-dire, c'est vrai que aujourd'hui, on a quelques 6 millions de travailleurs qui sont dans l'informel, mais dans ces 6 millions, il y a une partie qui sont salariés et une partie qui sont dans l'auto-emploi. D'accord. Et ce qui ne précise pas l'étude. Non, l'étude elle précise salariés. D'accord. Mais est-ce que ces gens-là, ou là, ce nombre de personnes qui travaillent dans l'informel, c'est-à-dire les personnes qui ne cotisent pas, est-ce que ce fossé-là impacte la revalorisation du SMIC ? Non, pas du tout, parce que le SMIC... Il est appliqué. Il a deux impacts, c'est-à-dire qu'il impacte les caisses des entreprises publiques, des entreprises économiques publiques ou privées, lorsqu'il s'agit de salariés. Mmh. Ils sont déclarés. Et il impacte le trésor public lorsqu'il s'agit des travailleurs de la fonction publique. Parce qu'ils sont payés par le trésor. C'est-à-dire que, quel que soit le SNMG que vous fixez, le problème de travailleurs dans le secteur informel demeure entier, quel que soit le niveau du SNMG. Donc, il faut l'évacuer du débat, parce que le problème dans le secteur informel, il faut le formaliser. Il faut formaliser ce secteur informel. Avant de parler de SMIC. Déclarer leurs travailleurs et à payer des impôts, à payer la sécurité sociale, etc. Ouais. Mais le problème, ce qui est grave, c'est qu'au niveau du secteur privé, au niveau du secteur privé formel, c'est-à-dire des entreprises qui sont déclarées, qui utilisent des travailleurs, il y a une grande partie qui ne sont pas déclarées. Oui, c'est vrai. Dans les entreprises formelles, je ne parle pas du secteur informel. Oui, oui, oui. Et même pour ceux qui sont déclarés, il y a une grande partie d'entreprises qui ne respectent pas le SNMG. Oui. D'accord. Et je pense que c'est là qu'intervient le rôle de l'inspection du travail, M. Bouderba. C'est là qu'intervient le rôle des syndicats. D'abord, ils ne sont pas reconnus dans le secteur privé. Il faut le dire que 96% des syndicats ne reconnaissent pas le droit syndical. Et cette pandémie, le coronavirus, a montré la nécessité
c'est important de, d'être syndiqué. Du syndicat, y compris dans le secteur privé, parce que lorsqu'il fallait négocier des salaires, lorsqu'il fallait négocier le chômage technique, lorsqu'il fallait négocier beaucoup de choses, il n'y avait personne en face. Il n'y avait pas de syndicat en face parce que les travailleurs sont laissés livrer pour eux-mêmes. Oui, et ils se sont fait bouffer logiquement par les patrons de boîtes. Merci beaucoup, M. Boudelbanor Deniatek Saha. Merci pour votre temps. Je vous en prie. Merci, ma salama et bonne journée. 0,2070. Je voulais juste. Oui, rajoutez. Allez-y. Si vous avez le temps, parce que moi, j'avais d'autres points à développer. Allez-y, bien sûr, vous avez. Ça nous fait plaisir, au contraire. Ah oui, moi je pensais que vous n'aviez plus le temps, c'est pour ça que. Non, t'faddal oustad. On prend le temps pour avoir vos informations précieuses. Voilà, parce que je voulais vous donner des informations qui concernent le sujet, qui sont importantes pour vous et pour les auditeurs. D'accord, merci beaucoup. Pour le CNMG, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est fixé depuis 2012 à 18 000 dinars. Et selon le dernier rapport de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, oui. Le dernier rapport qui s'intitule le rapport mondial sur les salaires pour les années 2020-2021, oui. Qu'elle édite régulièrement, ce rapport-là nous informe que le CNMG en Algérie, en valeur réelle, parce qu'il y a le SNMG en valeur nominale, qui est de 18 000 dinars, oui. Bougie, mais en valeur réelle, c'est-à-dire en tenant compte du pouvoir d'achat, donc en valeur réelle, le SNMG en Algérie, l'OIT nous informe qu'entre 2010 et 2019, il a reculé en Algérie de 2,6%. De combien ? 2,6%. D'accord. Mm-hmm. Malgré que sur cette période, la productivité annuelle économique a progressé de 0,6%. D'accord. Donc malgré une productivité en hausse, le SNMG, sur les 10 dernières années, il a reculé en Algérie, ça veut dire qu'il a appauvri les salariés. Oui. Comparativement à des pays limitrophes, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre des pays développés, je prendrai des pays africains et la Tunisie, par exemple. En Tunisie, ils ont eu la même, toujours selon l'OIT, ils ont eu la même productivité annuelle des 10 dernières années, c'est-à-dire de plus 0,6%, mais le recul, malgré la crise économique, le recul du SNMG, de la valeur réelle du SNMG, n'a été que de moins 1,8%. Ce qui est. Par rapport à l'Algérie, qui était de 2,6%. Oui. Si vous prenez d'autres pays africains tels que le Maroc, le Cap-Vert et le Malawi, avec une productivité légèrement supérieure à celle de l'Algérie, le taux de croissance de l'SNMG, il a varié entre 2 et plus 5%. Entre plus 2% et plus 5%. Pour tout ça, pour dire tout le retard que connaît l'Algérie en matière de SNMG. D'accord. Ceci explique qu'aujourd'hui, le SNMG en Algérie représente l'équivalent de 135 dollars seulement, c'est-à-dire en valeur courante. Et voilà ce que je voulais aussi vous dire, c'est que si on prend la valeur courante du SNMG en Algérie exprimée en dollars courants, il est inférieur au SMIC ou au salaire minimal qui existe dans 33 pays du continent asiatique, dans 29 pays américains, 15 pays de l'Asie du Sud et 6 pays africains, ainsi que tous les pays européens. Cela vous donne une idée sur le niveau du SNMG, le niveau des salaires en Algérie. Et c'est ce qui explique aussi que le niveau des salaires moyens, et ça c'est toujours l'OIT qui le dit aussi, le niveau des salaires moyens en 2008, entre 2008 et 2018, et là je parle de tous les salaires, pas du SNMG. Oui, salaire moyen. Il a régressé de 7% entre 2008 et 2018. D'accord. C'est très important, 7% c'est énorme. Ce qui veut dire que les salariés, il y a eu un appauvrissement des salariés, et c'est pourquoi aujourd'hui, si vous prenez la valeur du SNMG journalier, c'est-à-dire si on divise de 18 000 dinars par de 30 jours, on trouve que le SNMG d'un jour ne permet pas à un smicard algérien d'acheter 400 grammes de viande. D'accord. 400 grammes de viande. Donc, ça, littéralement, literally en anglais, ça serait mieux d'aller chasser. Exactement. Okay. Ça veut dire qu'au niveau des salaires, nous sommes très en retard et il est important, urgent, de prendre des mesures urgentes. Et cette situation-là, là, je parle du pré-Covid, c'est-à-dire je parle de la situation en 2019. Oui. Mais si on tient compte du Covid, les gens se sont appauvris davantage parce que la même OIT, dans un autre rapport, elle a donné que les Algériens, en général, secteur formel et informel compris, ont perdu entre 11 et 12% de leurs revenus. D'accord. Énorme. Donc, il y a des mesures qui sont très urgentes, qu'il faut prendre. Tout ce que je dis, c'est valable pour les gens qui respectent le SNMG, c'est-à-dire qui touchent le SNMG, qui touchent plus de 18 millions et plus. Mais il faut savoir qu'en Algérie, beaucoup de gens ne touchent même pas le SNMG. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord dans le secteur privé qui ne respecte pas
la loi, ils donnent moins, mais aussi dans le secteur public et même dans la fonction publique. Vous avez les travailleurs de pré-emploi qui touchent 10 000, l'emploi aidé, qui touchent beaucoup moins que le SNMG. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Plus qu'ils ne sont pas assurés pour leur retraite. Oui. Et qu'ils ne sont assurés que pour le risque maladie. Et c'est notamment la raison pour laquelle j'avais posé la question concernant les retraites, parce qu'on n'a pas de seuil. C'est ça. C'est une question légitime. Oui. Et, mais je pense qu'on devrait aborder ce sujet. Oui, on peut en faire un prochain épisode. Merci beaucoup, monsieur Boudre Bayatek Saha. Je vous en prie. Et à Texaha, merci pour toutes ces informations. Je termine juste par deux ou trois propositions qui sont très importantes pour moi. Oui. Très bien. Il y a des mesures qui sont à prendre. Moi, j'ai toujours proposé dans toutes mes interventions médiatiques sur le plan médiatique qu'on a duré, oui, dans toutes mes contributions, je milite pour qu'il y ait une augmentation du SNMG d'au moins 50% dans l'immédiat. D'accord. Dans l'immédiat. Deuxièmement, il faut que le salaire des travailleurs du pré-emploi soit élevé au niveau du SR, au niveau des mêmes salaires qui occupent les mêmes emplois avec leur déclaration au risque à l'assurance retraite. Oui. Il n'y a pas de raison pour que deux travailleurs fassent le même travail à salaire égal, salaire égal. C'est le minimum. Oui. Il faut fixer aussi des pensions minimales, que ce soit de l'invalidité ou de la retraite, je reviens sur ça, justement, au niveau du SNMG. Et il faudrait revenir à l'indexation de toutes les allocations, qui sont les allocations familiales. Je vous donne c'est un chiffre qui est très important. Les allocations familiales, si vous savez, et, en 1995, le montant d'une allocation familiale représentait 15% du SNMJ de l'époque, en 95, 15%. Aujourd'hui, 300 dinars d'allocation familiale ne représentent que 1,5% du SNMJ. D'accord. On a abandonné l'indexation des allocations familiales, on a abandonné. La même chose pour les retraités, la majoration pour conjoint à charge. Oui. La loi de 83, elle donnait 600 fois le salaire horaire, le SNMG horaire, 600 fois annuel. Oui. Aujourd'hui, il n'est que de 30 fois. Donc, il est important de revenir à l'indexation de toutes les allocations de sécurité sociale et sociale sur le SNMG. Et enfin, dernier point. Moi, il y a une anomalie, une ignominie qu'il faudrait supprimer, c'est cette indexation des salaires des cadres dirigeants des entreprises ou des cadres supérieurs de l'État ou même des députés sur le SNMG. Et ça, c'est une anomalie qui n'existe dans aucun pays. Oui, c'est une aberration. Et lorsque, je vous donne une idée, lorsque le SNMG a augmenté en 2012, il a augmenté de 3 000 dinars, vous avez un SMICAR n'a bénéficié que de 3 000 dinars, un travailleur du pré-emploi ou un retraité qui touche une pension minimale n'a bénéficié que de 2 000 dinars, oui, un cadre moyen n'a bénéficié que de 4 000 dinars par mois, alors que le cadre dirigeant a bénéficié de 6 millions de centimes par mois. Parce que son salaire est indexé sur le SNMG. Oui, oui. 12 fois le SNMG. Ce qui n'est pas normal, peut-être qu'on ira ponctionner sur le Conseil national de transition. On appellera Zoubida Aïssoul, on appellera Sofiane Djilali, Ibn Gréna, Bchi Aoudiour, Djarina Daraham Hadouk, et les 192 membres qui touchent ça depuis l'année 94. Je pense que vous n'avez pas un commentaire sur ce que, oui, tu viens de dire. Oui, monsieur. Non, s'il vous plaît, vous avez soulevé le problème en ma présence, je ne peux pas laisser passer ça. Moi, je suis contre. Moi, écoutez, je suis le premier, je dis bien le premier, oui, à soulever dans les médias publics le problème d'un fonds de retraite spéciale. Oui. C'est le premier, depuis maintenant plus de 6 ans. Oui. Je le fais publiquement. Il n'y avait personne qui en parlait. Et maintenant, le problème, il touche 50 000, je dis bien 50 000 en bonhomme en moins qui émergent pour cette retraite à vie, pour ce salaire à vie, c'est ce qui est une anomalie que j'ai toujours demandé. Est-ce qu'on uniforme? Il faut dissoudre ce FSR et revenir à l'uniformisation dans le système de retraite en Algérie. Oui. Je suis contre que pour des raisons politiques non déclarées, on s'attaque à certaines personnes du CNT, 192 personnes du CNT, alors que le problème concerne 50 000. 50 000 personnes. 50 000. C'est vrai. Spécialement trois, parce que leur position dérange. Non, c'est juste... Non, je ne dis pas vous. Oui. Je suis le débat sur la presse, je le vois sur Facebook, je le sur vois... Sur la toile également. Je dis que je suis le premier à l'avoir dénoncé publiquement et je le fais depuis 6 ans sans interruption. Pour vous vérifier, sans interruption, je le fais. Mais ce problème est un problème qui touche tous les travailleurs, qui touche 50 000 gens qui sont privilégiés par rapport à ça. Il faut revenir à uniformiser, mais il ne faudrait pas. Et encore, le sénateur qui a posé ce problème-là, lui-même, il est en train de toucher le même salaire et dans 3 mois, il va être bénéficiaire du même. Il n'a posé que le problème du CNT. Pourquoi il ne parle pas de lui-même? C'est vrai. C'est vrai. On parle là du sénateur Ben Zaïm. Et c'est son parti, le FNN, qui a voté toutes les lois depuis 1983. Oui. Qui a voté toutes les lois de finances. C'est vrai. Justement, cette retraite-là. Pourquoi
lorsqu'il y a une loi de finances qui se discute, puisqu'on parle de l'aide à la retraite, l'aide à la CNR, on parle des déficits, etc. Pourquoi son parti et lui-même, pourquoi lui-même n'a jamais, et je terminerai avec ça, n'a jamais soulevé ça. Et je vous rappelle, je dis aux auditeurs que le jour où la loi supprimant la retraite sans condition d'âge et la loi proportionnelle pour les travailleurs du régime général a dépassé, le 26 novembre 2016, j'avais écrit une lettre ouverte aux députés et aux parlementaires qui a été publiée par l'OTAN du 26 novembre 2016. D'accord. Où j'ai appelé tous les députés à ne pas voter cette loi contre les travailleurs et en soulevant justement cette ignominie de le privilège dans les cadres supérieurs de l'État qui touche un salaire à vie. Oui. Moi, j'interpelle de mon côté, et à mon tour, j'interpelle ce sénateur, pourquoi il n'a pas réagi à ma lettre ouverte qui avait interpellé ça fait 5 ans, oui. La question, et je l'interpelle pour lui dire quel a été son vote sur la loi qui a supprimé la retraite pour les travailleurs. C'est vrai, et au moins, Mme Zoubida Azoul, à titre d'exemple, au moins, elle parle, elle dit des vérités. Si Yann, je suis pour que les hommes politiques soient payés pour dire la vérité, ça ne me dérangerait pas. Oui. Lui, le 9 décembre, la loi qui a supprimé la tête est passée au Sénat. J'aimerais bien savoir comment il a voté. C'est vrai. Merci beaucoup, M. Boudraba. Yatek Saha, on doit finir l'appel. Il était très intéressant. Possibilité de m'exprimer. Merci à vous, Yatek Saha. Merci pour votre temps et pour toutes ces informations. Yann est vraiment précieuse. Yatek Saha, M. Boudraba. Merci beaucoup, monsieur. Ma'assalam. On va marquer une petite pause musicale. C'est parce la que... fin de la première partie, Anis. Oh, mais c'est l'un des affaires, c'est drôle. Mais allez, je ne sais pas que je suis à vous. On va intervenir, oui. Bah oui. On va se détendre un petit peu. On va sortir de tous ces chiffres qui donnent le tournis. N'allez pas loin. On revient tout de suite avec, enfin, dans quelques temps, dans quelques instants avec Amir Abou Djemaa et vous. عودة مجددا لي ما راناش ساكتين مع موضوع اليوم اللي يهم كل الجزائريين خاصة انه يتحدث عن الحد الادنى للاجور. نعود نعطي لكم شوية لمحة صغيرة عن في التاريخ. الحد الادنى للاجور هو ادنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة اللي كان تحدث عليه زميلي في لا بريزونطاسيون تاعو في الجزء الاول اللي عاد اليوم في الساعة اليوم او الشهر بحكم القانون. هو ايضا ادنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده، وقد يتحدد هذا المبلغ لتغطية أجور كل العمال أو مجموعة منهم يعملون في صناعات معينة. وصدر أول حد أدنى، دونك لو بروميي سميك سي فو فولي دير سي فو فولي، أول حد أدنى وطني حديث للأجور عن اعتراف الحكومات بالنقابات التي وضعت بدورها سياسة الحد الأدنى للأجور بين أعضائها، كما حدث في نيوزيلندا 1894 عفوا، في أستراليا في 1896، والمملكة المتحدة عام 1909. وفي الولايات المتحدة بدأ العمل بالأجور الدنيا القانونية على المستوى الوطني لأول مرة في عام 1938. ان سياكل ابري. نعم، ونذكر انه الرئاسه الجزائريه قد قررت ان رفع الحد الادنى للاجور للمره الاولى منذ 8 سنوات الى نحو 170 دولار اعتبارا من عندها شهرين. ونعاود نذكروا انه الرئيس عبد المجيد تبون لما عاود ولا بعد غياب لدم اكثر من شهرين، 4 شهور، أكثر من 4 شهور، لكن كان عاود ولا في شهرين، ولكن آخر مرة ولا 4 شهور. قال أنه من 18,000 دينار جزائري راح يولي الحد الادنى للاجور 20,000 دينار جزائري. الوغ كو ادمينستراتيفمون مازال ما صرات. نعم. سي تريز امبورتون دو دير. اتصلوا بنا راح نشوفوا الا كانوا اتصلوا بنا ناس ربما يقدروا يجاوبونا على هذا السؤال، هل فعلا هذا الاجر هو معبول به حاليا في المجال يعني في الاداره الجزائريه، في الادارات او في كل المجال القطاع الوطني. اتصلوا بنا انتم على 011-78-44-45. قولوا لنا الى ربما واش تعني لكم 20,000 دينار جزائري او 18,000 دينار جزائري؟ هل فعلا هو الحد الادنى للاجور في يعني في الواقع؟ لانه كاين اختلاف كبير بين الواقع وبين كل ما يصرح به من بعض المسؤولين، لانه على بالنا كاع خاصه مع ارتفاع اسعار المواد الغذائيه الاساسيه او كل المواد الغذائيه الاساسيه، الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه
اللي تفاقمت بسبب أزمة كوفيد 19 20,000 دينار جزائري ربما راهو بعيد عن الحقيقة وبعيد عن تلبية الحاجات الأساسية، راني نقول الحاجات الأساسية للمواطن الجزائري العادي. كي تشوف يعني ان ميدسان كي توش يبدا ب 45,000 دينار، ان بروف يبدا ب 30,000 دينار، تي كومبار سا افيك لي سالير دو دي ريسبونسابل. Voilà, il y a une disparité extraordinaire. Peut-être 30 dinars jazairi, على بالك وعلى بالي انه 30 دينار جزائري 30,000 دينار جزائري ربما ما على بالنا انه الكراء راهو غالي، على بالنا بلي كاين ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائيه الاساسيه او الغير اساسيه. Pour se marier aujourd'hui, c'est يعني c'est ما نهدروش يعني على الزواج او تتزوج، لكن يدخل فيه هنا في الزواج يدخلوا فيه التقاليد، يدخلوا فيه سيغتان براتيك. نقولوا ما ديرش زعما ما ديرش عرس، دير عشاء هكذا فيت في اونتخ امي ولا في لا فامي، كيفاش حتكري وكيفاش حتعيش يعني الاعيال تاعك؟ تتزوج بالك دير دراري بروميير ولا دوزيام ولا تخوازيام اني اون سي با، كومون تو فا سورفيفغ يعني بلا بغض النظر على التقاليد ويعني العرس الكبير اللي يحبوا يديروه لي زالجيريان. نعم هادي سي دوفني ان لوك. هل من متصل الفريق التقني؟ كمال عيسات عضو في الحزب الاشتراكي للعمال، اهلا كمال عيسات. مساء الخير وشكرا للدعوه. شكرا لك على الاتصال والمشاركه. شكرا لك. قل لي اولا وقبل كل شيء، هل الحد الادنى اللي ارتفع بعد قرار رئيس الجمهوريه على خلفيه لو كونساي دي مينيستر، هل 20,000 دينار جزائري معمول بحقا في هذا الاثناء؟ انا كنت نسمع ليميسيون جي فيريفي في السيكتور ايكونوميك السيكتور فوكس بيك اليوم تفوق بالقطاعات بالقطاع الخاص السيكتور ايكونوميك السيكتور بيبليك الاتحاد العام الولائي بجاية توسا ماشي معمول به لا 18,000 دينار سي توجور 18,000 دينار سي سا دوزيامون ميم ليرجي بولي مونتونفي نيبا انكور اكيد. Et pourtant, dans le discours politique, ça existe, Yanni. C'est même une arme grave, politique. C'est d'autant plus grave que le dernier discours du président, il a dit ouais, j'ai tenu mes promesses. Oui. Oui. Il n'a rien tenu, pas seulement que sa promesse. Eh bien, allez, c'est pas acceptable de dire qu'on a géré un SMIC de 20,000 dinars, c'est-à-dire le plus bas SMIC du bassin méditerranéen. Oui, oui. Je peux comparer. 120 dollars. Facilement. C'est le plus bas SMIC, hein. Secondo, la promesse à juin n'est pas appliquée jusqu'à aujourd'hui dans aucun secteur économique ni dans la fonction publique. Oui. Mm-hmm. On a un problème sérieux sur cette question. Comment ça se fait frappant, quoi. Comme elle est ça. Oui. Comment ça se fait que la décision ne soit pas appliquée, qu'une décision présidentielle ne soit pas appliquée? Ah ben... Enfin, comment ils ne sont pas quittés, c'est que beaucoup de discours qui est officiel ne renvoient pas à la réalité de la situation. Ouais, nous ouais. sommes en présence de discours officiels qui ont décalage totalement avec la réalité. Avec la réalité sociale, avec la réalité démocratique, avec. C'est comme un peu le José El Jadida. Enfin, pour résumer, pour faire court, le José El Jadida nous rappelle. ان بو جزائر ماشي القديمه قبل القديمه. كمال عيسات، بما انك انت عضو في الحزب الاشتراكي للعمال، احنا ربما سمعنا وكانت عندنا معلومات في لا ريداكسيون انه كاين ناس لحد الان خاصه في القطاع عمال النظافه، كما قال خير الدين بطاش رئيس تحرير مغرب ميرجون قبيل كان اول متصل، قال انه كاين ناس لحد الان راه يتخلص 500,000 800,000 5,000 دينار لي زاجون دو سيكوريتي. هل مليون يخصو مليون مليون و200 عطيك صحة. وي سي با اون رومور سي فري. حتى اليوم جو بونس كيليا ان انترفونون خير دين جو كوا مسيو خير دين تاع المغرب ميرجون وي دو ترافاي كي في دون لي ديفيرون تيب بري امبلوا ولا دي اي سي دونك سا توش اونتر 6,000 اي 15,000 بور بري امبلوا. لا اون بارل فريمون با دو سميك، اون اي لوان دو سميك. نو اون اي لوان دو اس ان ام جي باردون. بلو كاف انكور اي فو كو لي اوديتور كومبرين كو سي ترافايور. Ce qu'on appelle travailleurs du trampoline ne sont pas des travailleurs. Parce qu'un travailleur est défini légalement comme étant quelqu'un qui cotise pour sa retraite. Donc demain ils n'ont même pas de retraite parce que ce n'est pas intégré. Ce n'est pas intégré. Ils ne cotisent pas pour la retraite. Donc c'est une précarité légale. C'est ça qui est dramatique. Oui, oui, oui. Précarité légale, oui. C'est une bonne expression. Oui. En fait, on a vu par exemple dans le débat sur le Covid la dernière fois.
il parlait de travailleurs exposés, de ça, d'agents de la santé, tout ça. Évidemment, bien sûr qu'ils sont exposés. Mais est-ce qu'on imagine, alors que les campagnes qu'ils font, c'est de dire « ramassez vos mouchoirs, il faut les mettre dans la poubelle », on ne se pose pas la question de la personne qui ramasse les poubelles. Bien sûr qu'on se pose la question, ouais. Bien sûr. On en a même fait un euro spécial. Et je vous rappelle que l'étude menée par le syndicat national autonome des personnels de l'administration publique dit qu'un ménage algérien composé de 5 personnes minimum a besoin de plus de 81 000 dinars par mois. Oui, exactement. Et l'un de vos intervenants, en l'occurrence, M. Boudarba, que je salue au passage, qui a très bien détaillé, oui. Tout à l'heure, donc il a fait un travail à un moment, il a dit... plus de 50% des travailleurs algériens sont sous le seuil de la pauvreté, en se basant sur un chiffre, sur une étude qui disait que quand on dépense plus de 50% de son salaire pour l'alimentation, on est pauvre. On est pauvre, oui. Ouais. Quand on dépense la majorité de son salaire pour l'alimentation, nous avons un problème sérieux. C'est bien sûr. La pauvreté. Alors qu'on sait... On sait tous que la plupart des citoyens algériens dépensent plus de 60% de leur salaire pour se nourrir. La plupart, entre 10 et 15 jours. Oui, il faut vivre avec le dîner, s'il faut vivre avec le dîner et vice-versa. Tu dépenses 50-60% de ton salaire pour l'alimentation. Et quelle alimentation ? J'allais dire qu'elle n'est pas équilibrée de ce point de vue. Il faut qu'on en discute. Oui, c'est vrai. On ne parle pas de viande et de poisson. Hein. On ne parle pas de viande et de poisson. On ne parle pas de ça. Mais on parle des besoins élémentaires. Oui. Ça veut dire que le travailleur qui travaille 8 heures par jour n'est pas payé à la hauteur, sauf si les entreprises doivent fermer. Parce que c'est quoi le SMIC ? C'est le minimum qui permet au travailleur et à sa famille de venir travailler le lendemain. C'est ça, oui. Et faire vivre, et le patron, il a toujours un surprofit. C'est une histoire classique, c'est pas en économie. Donc là, on est devant un appauvrissement dangereux, la classe ouvrière. C'est grave. Demain, il ne pourra pas faire son travail correctement. C'est ça. Oui. Merci beaucoup Kamel Aïssat, je suis obligé de mettre fin à l'appel, le temps des interventions est limité. Merci beaucoup monsieur, Atak Sahara. Bonjour, merci. Merci, bonne journée à vous aussi. نقدروا نطبقوها اذا طبقت لانه لحد الان ماشي يعني القرار لم يطبق في القطاع العمومي والقطاع الخاص قولوا لنا الى 20000 دينار جزائري فعلا لازم تكون حد ادنى للاجور اي بارطاجي سو لايف باسكو ديجا لو SNMG ما يكفيش اون بلوس نو اون اي سانسوري دونك فوالا بارطاجي لو لايف بتيت كو سا فا نوز ايدي ا ريكوبيري ان سميغ او دو نروحوا لفاصل الموسيقي وصغير ونعود نقولوا الدارداري ما راناش ساكتين دارنا كاع اتصلوا بنا على 021 78 24 45. حكيوا لنا على ديوركم انتوما كيفاش راكم تجريوهم ب 20000 دينار جزائري كحد ادنى للاجور. معنا زكية عبد النور ايكونوميست. اهلا زكية عبد النور، مختصه في علوم الاقتصاد. بونجور مدام. وي bonjour madame, comment ça va? مرحبا بك في مراج ساكتين. الحمد لله. الحمد لله. قولي لي زكية عبد النور سؤال صغير ومهم. شحال تخلصي؟ نو. On rigole, on rigole. Sur quelle base est calculé le SMIC, Zakia? Oui, j'écoute, راني نسمع. Sur quelle base on calcule un SMIC? Oui. راكي تسمعي فينا زكية؟ Je pense qu'il y a un décalage بيناتنا, oui. Oui, un petit peu, oui. Alors, comment, sur quelle base on calcule le SNMG en Algérie? On calcule pour le SMIC algérien. C'est ça. Non, pas algérien, le SMIC en général, ou bien le SMIC algérien? Bon, le SMIC, actuellement, vraiment, c'est une dégradation continue du pouvoir d'achat. Oui. C'est vraiment l'Osra ou le ménage. Oui. En général. Oui, madame. Fin de la pandémie, dans le monde entier, tout le monde est touché par la déstabilisation qui est du pouvoir d'achat. Oui. L'accession, actuellement,
La crise, elle a touché tous les ménages. Vraiment, le niveau de vie qui est très touché. Mm-hmm. Le pouvoir d'achat des ménages est en net baisse. Il y a une dévalorisation des salaires et les salaires tannes actuellement même le monde entier est touché par cette pandémie. Est-ce que les prix ou l'assar المطبقه فعليا في السوق الجزائريه تؤخذ بعين الاعتبار لربما للحد الادنى ولاقامته لتحديد الاجر الادنى؟ هي لهنا في الجزائر le niveau le حد 41000 دينار pour quelqu'un qui puisse à peine il peut vivre manger et boire et dormir parce que nous avons monsieur les loyers les kiras تاع السكنات الناس اللي ما عندهمش تعرف الاسعار تاعهم هما اللي عندهم الكرا غالي parce qu'ils n'ont pas de logement. C'est ça. On revient à ça aussi parce que c'est vraiment, on n'a pas compris quel est le qu'il y a واحد بالك عنده راهو عايش مليح وعنده سعر مليح وعنده سكن وهذا اللي راهو عنده سكن هابط خلاص ما عندوش نيفو دو تو il n'a pas de logement, il est en train de louer à 1000 dinars et à des prix très élevés de loyer. Il y a des gens qui sont dans la rue, mais ils n'ont pas de loyer. En plus, on doit payer annuellement, voire deux ans, on doit payer deux ans d'avance ou une année d'avance. Donc voilà, on n'a même pas l'option de louer. Et des fois, la location est deux fois plus élevée que le salaire. Réel, donc quand on touche 60 000 dinars ou la 70 000 dinars et la location est au minimum pour un F4, on va dire, à Alger, et dans les 60 000 dinars, c'est impossible. L'équation est très simple. مع بعضهم الانسان ما يقدرش يقعد دون لا ري يمانج ولا يمانج جو سي با il faut faire des choix peut-être voilà ونشوف انا الناس الضعفاء هما اللي راهم مقيوسين بهذا. Bien sûr, les élus de la chambre basse des députés, les députés, ils touchent 18 fois le SMIC. Donc voilà, ça vous donne une petite image. Le niveau de vie de la crise sociale a dit quand je suis au niveau tel, je suis à 37%, maintenant il est à 28%. C'est dû à la sécheresse, du pétrole et le gaz. Oui. On a fait vraiment le monde de Tkemel souffre et nous on souffre de plus en plus. C'est vrai. Oui. Parce que la déstabilisation du pouvoir d'achat, l'accession à des problèmes. Même les gens qui sont dans les modules, ils sont dans le rural. Non, je ne sais pas. Les Algériens, ils sont dans les modules. Les gens à la barra. C'est vrai. Peut-être qu'ils vivent, vivent mieux que nous, hein, les gens à la barra. Peut-être qu'il y a un mawashi ou là, un sayed ou là, sayed ghzala, et je serai amené. Pas de loyer aussi, hein. Exactement. Exactement. Choukran jazilan, madame Zakia Abdennour, Mokhtassa fi Ouloum l'Iqtisad. Pas de quoi, il n'y a pas de problème. On est là pour votre disposition. Merci, madame. Merci, au revoir. Pas de quoi, merci. Bonne journée, madame. مازلنا 4:58 دقيقة في الدقائق الأخيرة لعدد اليوم. اتصلوا بنا على 011-78-24-45 واعطيونا رأيكم في الموضوع. نروح لفصل موسيقي صغير ونعودوا له. اهلا مجددا. كي يكونوا عندي باش لازم ندير طريق فوق البحر ماشي دراهم ما كاين ثاني لي فوين استراتيجي باسكو دراهم ما كاش ماشي كلش دراهم الا عندك دراهم ما عندكش الانتيليجنس باش توظفهم ما درت بهم والو. فوزي من العاصمه. اهلا فوزي. مساء الخير. مساء الخير. مرحبا بك في مراني ساكتين. الله يخليك. دونك حبيت نسهم بواحد النقطه اللي تفضل بونس كو سي بلو
plus intéressant de développer. D'accord. Mm-hmm. Madame, actuellement, nous avons un problème de revenus. Oui. Donc, on ne peut pas augmenter les revenus terne. Oui. En même temps, pour réduire les dépenses, avec la cherté de la vie ou la distribution de dinars, oui, ça sera un peu difficile. Donc, je pense qu'il faudrait qu'ils ouvrent les banques pour laisser les gens s'endetter, malheureusement, et avoir des crédits. C'est-à-dire ouvrir les banques à l'investissement privé, c'est ça, privatiser les banques, des banques, oui. Non, pour ouvrir le crédit de consommation. Le crédit de consommation, d'accord. Oui, c'est vrai. Que la problématique, elle est très profonde et... Ben, ça passera par la privatisation des banques, hein, parce qu'en ce moment, merde, je pense pas que ça soit possible. Parce que les banques, déjà, ont un problème de liquidité. Elle est marque, mais là, si on prend les chiffres macro, oui, ils sont obligés d'ouvrir le capital. Exactement. Mmh. Voilà. Voilà. Ça peut améliorer le pouvoir d'achat des Algériens. Elle est belle, toute économie, les médias... Mais ce qu'on appelle des crédits, l'économie contemporaine, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. On ne peut pas avoir ce qu'on appelle un équilibre, le pouvoir d'achat plus la production locale, il y a le produit intérieur brut, oui, sans avoir des fonds. C'est vrai. C'est vrai. On a un problème financier clair. Oui, oui. Les besoins en fonds de roulement à l'Algérie sont extraordinaires, en vrai les aides, donc la trésorerie s'en porte mal, quoi. Oui, justement, puisque maintenant, on a une économie rentière. C'est ça. Si on se compare à ce qu'on appelle les anciennes puissances coloniales, on a presque main en main. En plus, dans la richesse des fonds, les Andana ou les gisements, oui, sur ce terrain naturel. Oui. Et en contrepartie, on n'a pas de production. Donc, finalité, maintenant, c'est qui fait azaté. Non. Maintenant, je vais le rajouter parce qu'il n'y a pas de richesse qui est créée. Donc, le produit intérieur brut est bon. Fawzi, avec Saha al-Etisal, on a mis le barat en l'Etisal et nous l'haqna les nihayet al-barnamaj. Avec Saha Fawzi. Merci Fawzi. Barakallahu fikoum. Afik. Ma salama. Ma salama. Hel nzidu Etisal, le fariq technique? هل ممكن نهاية المخرج يقول لي خلاص وقت البرنامج يعطيكم صحة كل واحد شارك معنا يعطيكم صحة كل واحد ما قدرناش نجوز الاتصال تاعه للأسف وقت البرنامج محدود احنا حبينا نطوله شوية مع بودربة وخيردين بطاش لأنه كانت عندهم معلومات قيمة لتهم الرأي العام تهمكم قاع للأسف ما قدرناش نستقبلوا كل الاتصالات يعطيكم صحة أنيس النرنيمو Oui, on espère avoir levé un petit peu le voile sur ce problème qui nous concerne tous. Hein. J'espère que vous y voyez un peu plus clair maintenant, voilà, grâce à Amira Boutma et toute l'équipe. On تمنى انه الحد الادنى للاجور ولا الاس ان ام جي ولا السميك كما تعيطوا له بالعاميه يطبق 20000 دينار جزائري في القطاع العمومي والقطاع الخاص نعاود نولي لكم نهار الاحد في موضوع جديد ديسلا باسي ان اكسيلون ويكاند ان شاء الله نخلصوا